Story, Kona Walker. Vous ne devinerez jamais l'âge de la créatrice de House of CB et Mistress Rock. L'enseigne britannique de prêt-à-porter qui séduit les It Girls du monde entier est à l'image de sa créatrice, Ig, moderne et unique. Mais au fait, saviez-vous que cette fondatrice, Kona Walker, qui est aussi à l'origine de la marque Mistress Rock, n'a que 25 ans? Retour sur la success story de cette jeune anglaise qui a bâti un empire à partir de rien. Du clan Kardashian, Jenner à Beyoncé et Jennifer Lopez en passant par les Miss France et les fashionistas françaises, elles sont plus en plus nombreuses à craquer pour les robes moulantes ultraïdes de la marque House of CB. Et on comprend pourquoi. L'enseigne britannique de prêt-à-porter fait aujourd'hui partie des plus représentatives de la mode des années 2010, puisque l'audace, la attitude, le glamour et la modernité se retrouvent aussi bien dans les célèbres robes bandages que dans les vestes et manteaux, dans les pantalons, les escarpins et les maillots de bain. Et derrière cette emblématique griffe de prêt-à-porter se cache une femme qui répond au nom de Kona Walker et qui, malgré la notoriété de sa marque, reste assez discrète et exemplaire, à tout juste 25 ans. La jeune femme est déjà à la tête d'un empire du textile composé de House of CB et Mistress Rock, enseigne de vêtements tout aussi stylés mais un brin plus casual. Celle qui a commencé à vendre quelques pièces de prêt-à-porter sur eBay à l'âge de 17 ans s'est livrée à plusieurs reprises à la presse américaine pour compter son parcours qui fait rêver. J'ai créé une marque de vêtements et nous fabriquons pour les femmes qui veulent être tout en restant puissantes. Je n'ai jamais suivi de cours particulier, que cela soit pour le design ou pour le commerce. J'ai commencé à vendre quelques produits sur eBay quand j'avais 17 ans. C'est ensuite que j'ai commencé à créer des vêtements, ce qui a ensuite engendré le lancement de studios de création avec 3 designers. Et maintenant des magasins partout à travers le monde. Fan de Jennifer Lopez depuis sa plus tendre enfance, la consécration ultime pour Kona fut quand la chanteuse a décidé de porter une robe rouge signée House of CB pour la pochette de son 10e album intitulé AK. La créatrice avoue également qu'elle a eu un choc quand elle a vu Kylie Jenner porter une de ses robes pendant tout un épisode de « Keeping Up with the Kardashians ». Aujourd'hui, la jeune femme compte parmi ses clientes les plus fidèles les deux bombes que nous venons de citer, mais aussi Khloé Kardashian, Beyoncé et des françaises comme Malika Ménard et Iris Mittener. En clin d'œil à ses origines, Kona a pris soin d'ajouter le « London » après House of CB. Je suis anglaise donc je connais la culture britannique. Ça a été assez simple de faire évoluer la marque en utilisant les réseaux sociaux et en notamment en envoyant des cadeaux aux célébrités, mais bien sûr j'ai dû en apprendre plus sur la culture américaine et la culture pop. Heureusement ça a fonctionné, et effectivement ça a fonctionné puisque les Californiennes sont désormais plus que jamais amoureuses de la griffe anglaise. Et Kona a ensuite décidé de leur faire un clin d'œil en nommant sa seconde enseigne Mistress Rock Los Angeles. Rendez-vous juste au-dessus pour découvrir tout.